Bonjour, je m'appelle Olivier Millier, je travaille avec ces patients en scanner. Donc je suis Saint-Omar de la BTT, je suis Saint-Omar le professeur de l'Académie Hybrid Team de la section SOLV à Lille. Donc on va voir une technique de base aujourd'hui, qui est donc la clé de bras. Je vais démarrer avec une technique de base, mais ce n'est pas parce que c'est une technique de base qu'elle est facile à réaliser. C'est souvent les techniques les plus simples qui sont les plus difficiles à réaliser. Donc nous allons faire la clé de bras dans la garde. Donc je suis en garde fermée, donc je tiens mon partenaire le plus près possible de moi, mes jambes fermées derrière. En aucun cas je vais faire une clé de bras où je vais avoir une garde fermée avec mes jambes et laisser de l'espace ici, d'accord? Donc il m'est impératif de rentrer mes jambes et bien projeter derrière. Si par exemple je suis assez loin, je vais aller chercher le bout du corps pour le ramener à moi, d'accord? Donc lui de toute façon en défense il va se relever. Donc la technique de la clé de bras va se passer de la façon suivante. Donc avec ma main opposée, je viens chercher son revers de manche. Avec mon coude, ici, je vais placer son coude au milieu de ma jambe. C'est-à-dire que la technique va démarrer au moment où son coude va être au milieu de ma jambe. Pourquoi? Parce que dès qu'elle dépasse ma jambe ici, tout de suite, je vais venir placer ma jambe sur sa hanche pour bloquer son bras. D'accord? Là, dans ce cas-là, si j'essaie de sortir son bras, c'est plus possible. D'accord? Donc là, lorsque j'ai passé mon coude et que j'ai verrouillé grâce à ma jambe, je vais venir me placer sur le côté, donc je peux m'aider avec ma main libre à l'extérieur de sa tête, je vais me décaler. C'est vraiment important de se décaler sur le côté. Suite à ça, ma jambe opposée va venir monter le plus haut possible sur son épaule. Pourquoi? Maintenant il peut plus se relever, maintenant il est complètement coincé, d'accord? Et là maintenant il ne me reste plus qu'à passer ma jambe devant, attraper le poignet et pomper. Vous voyez ici la clé se passe ça, d'accord? Donc on va la recommencer, je suis là, j'attrape, je tire, je verrouille, je me déplace, je passe et je compte. D'accord? Donc je remonte, vitesse réelle, donc on peut par exemple si j'ai noté, je relève, j'attrape, bam, 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 bam. Et là, il ne me reste plus qu'à compter. Vous voyez, son pouce me donne la direction du pontage. D'accord? Cette même technique peut se faire en vitesse accélérée, c'est-à-dire que je vais venir coincer. Attraper sa manche, coincer son coude, mais là au lieu de monter ma jambe et me décaler, je vais faire tout en même temps, c'est-à-dire que je vais venir tirer le coude et voyez, venir passer ma jambe au niveau de son épaule et verrouiller avec mon autre jambe, d'accord? Vous voyez, de cette façon-là, il est complètement coincé. Là, il peut essayer de sortir, c'est bassin, vous voyez, il peut se relever, il ne pourra pas, d'accord? Toujours tout en gardant le moins d'espace ici, d'accord? Après, il ne reste plus qu'à bloquer son bras, passer ma jambe et pomper. D'accord? Lui, en aucun cas, je dois garder d'espace. Pourquoi? Parce que lui, son but, ça va être sortir pour sortir son coude. D'accord? Dès que son coude est sorti ici, c'est fini. Là, il va falloir faire autre chose. Soit je passe ici, bam, je passe un nouveau platard. Soit bam, je passe en triangle. Voilà. Donc là, c'était la technique de la semaine. Nous ferons une technique comme ceci toutes les semaines. Voilà.